Le Khan est mort, mais son armée est toujours là. Calme-toi. Nous ne serons en sécurité qu'une fois qu'elle aura pris la mer. Et après ça, alors? Qu'est-ce qui se passera? Nous referons nos vies. Avant, je savais la vie que je voulais mener. Aujourd'hui, je ne sais même plus qui je suis. Tu pourrais donner de l'espoir au peuple, effrayer les Mongols. Et être traqué par les samouraïs. Si quelqu'un peut ouvrir les yeux d'un samouraï, c'est bien toi. Bats-toi! Ne restons pas ici. Mon oncle doit nous rechercher. Non, j'en doute. Après la bataille, il a envoyé un messager. Souhaitait-il faire la paix? Il te donne rendez-vous, au bord de l'eau calme, sous l'arbre à feuilles rouges. Le lac Domi. Nous nous y entraînions quand j'étais jeune. Je t'accompagne. C'est entre lui et moi. Il est ma seule famille. Je sais. J'ai encore mal quand je pense à Taka. L'odeur de fumée dans ses cheveux. Son rire discret. Les reproches qu'il me faisait quand je buvais trop. Toute ma vie, il est resté près de moi. Et maintenant, je suis seule. Tu n'es pas seule. Je suis là. Un fantôme. Tu es là pour tout le monde. Allons-y, Kage. Le seigneur Shimura n'est pas là. Je vais l'attendre sur le ponton.
Jin. Mon oncle. Je ne savais pas si tu viendrais. J'avais besoin de vous parler. En joignant nos efforts, nous pourrions chasser les derniers Mongols et rebâtir notre île. Ce n'est pas ton devoir. Le Shogun a dissous le clan Sakai. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus un samouraï. J'ai tout sacrifié au nom de mon peuple. Et je n'ai aucun regret. De nouveaux samouraïs viendront remplacer les défunts. Ils occuperont tes terres et ton domaine. J'aimerais les voir une dernière fois. Chevauche avec moi. Allez-vous rester Jito de Tsushima ? Oui. Le Shogun m'a demandé d'entraîner ses guerriers pour combattre les Mongols. Bien. Ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas conquis tout le Japon. Je consacrerai les années qui me restent à faire échouer l'invasion. C'est une tâche que j'aurais voulu accomplir avec toi, en tant que père et fils. Vous pouvez encore vous remarier, fonder une nouvelle famille. Oui. Tu as sans doute raison. Cet homme semble avoir besoin d'aide. Attendez, nous allons vous aider. Non, ne vous donnez pas cette peine. Ce n'est rien. Vous n'y arriverez pas seul. Vous êtes trop bon. Il y a plus de boue qu'on ne peut le croire. Vous êtes très chargé. Où vous rendez-vous ? Jogaku. L'armée du fantôme s'y trouve. Il a une armée. Vous l'ignoriez ? Elle part pour les steppes mongoles, portée par la tempête. Bien décidé à les réduire en cendres. Voilà qui est impressionnant. C'est tout ce que j'ai à offrir. J'espère aider. Vous devez reprendre votre route. Merci, mes seigneurs. La route est longue jusqu'à Jogaku. Tâchez d'éviter les flaques de boue et les Mongols. Bien sûr. J'ignore totalement de quoi il parlait. Pas ici. Suivez-moi. Je n'ai pas d'armée, mon oncle. Chaque jour, tes adeptes se font plus nombreux. Le Shogun est inquiet. Tout comme moi. Vous n'avez rien à craindre. À l'arrivée des nouveaux clans, le peuple s'inclinera-t-il devant ses samouraïs ? Les trahira-t-il au nom du fantôme ? J'empêcherai que cela se produise. Les gens m'écouteront. Défié au vu et au su de tous, Jin. Mon plus fidèle guerrier. Tu as appris au peuple à désobéir à ses chefs. Qui te dit que tes adeptes te témoigneront obéissance ? Assez chevauché. Marchons un peu, Jin. Entendu. Le cimetière de ma famille. C'est ici que reposent 7 générations de Sakai, y compris ta mère. Et mon père. Allons leur rendre hommage.
Tout ceci me manquera. À moi également. Le Shogun t'a déclaré coupable de trahison. Il vous a ordonné de me tuer. Le fantôme est un hors-la-loi. Il a appris au peuple à défier ses chefs. Non, à se défendre. Avec du poison. Un cadeau que tu as fait à notre ennemi. Je devais vous empêcher de sacrifier la vie de ces gens. Tu n'as aucun honneur. Et vous êtes esclave du vôtre. Tu étais mon fils. Je dois désormais perpétuer le nom des Shimura sans toi. Je dois fonder une nouvelle famille. Mais ma tête est le prix à payer. Et la prendre est mon châtiment. Notre dernier jour ensemble. C'est magnifique. L'heure est venue. Écris les dernières paroles du clan Sakai. Et du clan Shimura. Tes parents seront toujours à tes côtés. Oui, mon oncle. Je vais t'entraîner. Et tu deviendras le meilleur guerrier du clan Sakai. Je t'élèverai comme mon propre enfant. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Mmh.
Laissez-moi partir en paix. Vous ne ferez que les aggraver. Je dois obéir au Shogun. Laissez-moi partir en paix. Vous ne ferez que les aggraver. Je dois obéir. Vous voulez vous venger? Ma désobéissance. Ce n'est pas ma vengeance. C'est un châtiment. Laissez-moi partir en paix. Vous ne ferez que les aggraver. Je dois obéir au Shogun.
Souvenir ne s'éteindra jamais. Celui d'un grand guerrier, d'un chef éclairé et d'un maître. Merci, mon fils. Retrouve-moi dans la prochaine vie. Promis. Sur le cimetière de ma famille. Sublime. Même dans la mort. Jin. J'aime ton nouveau foyer. Il te convient bien. Il va bien falloir. Maintenant que le clan Sakai n'est plus. Et qu'on me considère comme un traître. J'ai appris pour ton oncle. Je suis désolée. Il est mort. J'ai fait ce que j'avais à faire. L'important, c'est que tu sois en vie. Tu as vaincu Khotun-Khan et privé les Mongols de leur chef. Le reste du pays ne craint plus rien. Mais nous aussi. Les hommes du Khan sont coincés ici, plus décidés que jamais à conquérir notre île. Alors on va continuer à se battre. Ishikawa-sensei traque toujours son élève. Il doit se demander pourquoi je ne l'ai pas encore rejoint. Où est Dame Masako? Elle traque ceux qui ont tué sa famille. Je lui ai proposé de lui venir en aide, mais elle a refusé. Elle ne devrait pas faire ça toute seule. Je vais aller la voir. Tu as parlé à Norio. Il m'a dit que les moines avaient encore besoin d'aide. Je devrais aller voir Yuriko. L'invasion a été dure pour elle. Pas seulement pour elle. Et toi alors? Nous avons encore des choses à régler à Otsuna. C'est vrai. N'oublie pas. Tsushima a besoin de toi. Je ne l'oublierai jamais. Bien. Nous couvrirons plus de terrain en nous séparant. On va frapper les Mongols de tous les côtés et reprendre notre île. Au revoir, Jin. Et prends soin de toi. Merci. Toi aussi, Yuna.